Bon matin, mon Dieu, moins 20, combien, moins combien, oh, l'hiver au Canada, oh, maman Sarah, hey, moins combien, moins combien, moins combien, c'est la magie, oh yo, attendez pas d'avoir une gorgée de thé, oh yo 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 yo, Alani, 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 yes. Oyo, ça fait comment? C'est l'hiver. Maman, j'ai froid, je peux mourir. Yes. Alani, mon Dieu, le moteur, si avant de chauffer, ça va être de la magie. Et yeah, c'est chaud. Il fait froid, le jardin. Et yeah, maman, c'est chaud. Yeah, c'est chaud, j'ai plus mes lunettes. Ouais. Oyo, Alani. Alawela, Alani. Mama Sarah. Oyo, Oliver, oh, mama. T'es dit que. Moins, je ne sais combien. Moins 25 degrés. Oui. Au Canada, bon chien. Au Canada, bon chien. Mes amis. Moins 25 degrés. C'est une affaire que... C'est même pas la blague. Maman, mes mains sont gelées, je n'arrive pas à avoir la chaleur. Et bon, j'ai dit que comme Ngoï dit que tout pour elle va se passer après le deuil. Ma question, est-ce qu'elle est déjà allée à Château Rouge comme elle nous avait dit? Non. Elle a dit qu'elle allait à Château Rouge. Oh, machin, truc est autre. Et si c'est là, la ligne, la nengue, question. Ah, le château rouge, question. Hein? Elle est allée, comme elle nous disait, question. Parce que tout pour elle, c'est après le deuil de notre doyenne qu'elle va faire quelque chose. Maman, le deuil, il a voulu notre chumbinman. Le deuil, il est sorti vraiment à vous. Hein? N'importe qui peut te après le deuil. Maman Sarah. Pardon, ne partez pas gâter le deuil de truie. Hein? Ne partez pas gâter le deuil de truie. Comme tu étais allé poignarder Rodiane au deuil de Nelly. Là. On espère que tu vas parler au deuil là pour gâter le deuil. Tu arrives au deuil, comporte-toi comme les gens qui sont au deuil. Voilà. Ne pas gâter le deuil de lui. La famille a déjà trop de peine comme ça là. Ils ont beaucoup de souffrance. Donc ne pas gâter le deuil de lui. Oui. Ne pas gâter le deuil de lui. Oui, Satan.
Est-ce que tu es là-haut après le deuil? N'importe quoi, haut après le deuil. C'est quoi ton problème? Ne pas gâter le deuil d'autrui, comme je t'ai dit là. Parce qu'on te connaît déjà. Ne pas gâter le deuil d'autrui. On te connaît, oh ma soeur. C'est là-haut après le deuil. Oh, ceci après le deuil, c'est quoi? Laissez la famille de Céline bien faire son. C'est organiser son. Ça veille bien là-bas à Paris. Tout est programmé autour du deuil, c'est quoi? Après le deuil, après le deuil. Tu as dit que tu as salué Chantou comme nous. Comme nous. Tu as dit que tu as chalé Chantou comme nous. Ok? Et que tu ne clashes plus. Mais tu es tout là. Quoi, c'est quoi? C'est quoi avec toi-même? Ouais, la chèvre. Ouais, Veux va dire que la vraie chèvre qui est partout. 150 euros, 100 euros. Moda, c'est ma personne. Ah, mof. Quand ça pique, veuve, elle dépose ça ou elle dépose pas. Ah, mof. Et tu avais une femme là, et la femme était aussi là. Et après, elle dit, tu me laisses finir. Tu me laisses finir. Ou bien, toi. Elle dit qu'elle veut, mais... Une journée avec veuve. Je me demande comment sera une journée avec la veuve joyeuse. Ouais, Seigneur. Bonza. Et tu vois la veuve quand elle veut déjà lancer ses dégagements de direct. Je ne sais pas comment ça sera. Ouais, Seigneur. Non, il faut laisser. Faut laisser tous vos chorbitages là, faut laisser ça. Laissez-nous tout ça là. Bla 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 bla. Yeah, yeah. Huawei. Oh wow. Veuve a dit que la chèvre de Monsieur Seguin Sengoy. La seule et unique de Facebook. Quand ça la pique le matin, elle te place où elle te place. Est-ce qu'elle te gère? Oh, si tu veux devenir que tu es fâché, maman, fâche-toi. Est-ce qu'elle gère même les choses là? Maman, ça. Oh. C'est là, ça dit que. Une garde de situation. Est-ce que mon gars gère les choses? C'est votre problème là-bas. Vous faites comme vous voulez. Maman, je dis que le froid qu'il y a ce matin, moins 20 quelque chose. Hé, hey, Canada! Où are you, Canada? Où are you? Il fait froid jusqu'à ce que tu as le goût de dire que tu vas pas walk. Tu restes toi à la maison. J'ai pris ma montre. Que tu restes à la maison. Tu as le goût de dire qu'aujourd'hui là non. Je fais une soupe. Un potage. Tu sais, le genre, les grosses soupes là. Tu mets un peu de poisson. Je fais un bouillon. Je fais un bon bouillon de poisson là. Tu mets les pommes dedans ou bien tu fais bouillir les plantains. Oui, bouillon. Tu bois ça. L'eau. Ça, c'est déjà de soi là aujourd'hui là. Franchement, c'est la magie. Franchement, c'est grave. C'est grave le froid qu'il y a dehors là. J'ai dit que ça ne bouge rien. Oh. Ça ne bouge rien. Tout est comme je sais pas. Pour que ta voiture chauffe, tu attends même 20 minutes. Oh. Je te dis que maintenant qu'elle sent la chaleur, hein, mes mains même je ne pourrais pas tenir. Hein. Et j'ai oublié les gants. C'est dans la voiture de mon chéri. J'ai oublié. Les gants d'hiver, non, je n'ai pas. Hey, je fais un truc là que je dois être dehors. Ça va être chaud. Ça va mettre les mains dans les poches. Comme un manchot. Et dit que Waris, je salue Waris. Baba Waris connaît Tony. Hey, Waris, oh, il a pris Monsieur Atana. Atana. Le jumeau de Nivanus. Le jumeau de Atananus de 2 grammes.
Attends là. Hey, Bahama. Les gens sont en train de gronder, monsieur. Attends là, là-bas, le feu sort. Oyo. Les affaires de sang calisson, moi j'ai une façon d'entrer dedans. Hein. Aïe, c'est compliqué. Les affaires que les gens se sont déjà fait leurs choses là-bas. Et puis toutes les lumières aujourd'hui. Hein. Là-bas. Faut entrer là, un genre, avec un peu de sagesse. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est vraiment un mercredi de frais de canard, froid de canard. Un froid que le goudron est blanc. Parce que ici au Canada, là, quand tu vois que le goudron est blanc, quand tu vois qu'il y a l'eau sur le goudron, qu'il y a la neige au sort, que c'est bon. Mais quand le goudron est blanc comme le calabar, il faut savoir que le niveau de froid qu'il y a, c'est la magie. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc, il faut sortir, walk. Même la sœur qui part tout le pépé, elle a très gagné son pain. Elle a dit seulement de légaliser leur pépé pour avoir les... Comment on appelle ça? Pour avoir la retraite. Mais à quel âge même? Son gospel à 50 ans. Si elle commence à légaliser, déjà les clients, son piment ne pique plus. Si elle part même tirer, il va l'éplucher. Elle va légaliser pour combien d'années encore? Même si Ngoï légalise 5 ans, elle légalise le piment, elle va commencer comment? Il reste combien d'années? Parce qu'on part en retraite à 65 ans. Même le piment aussi, sa retraite c'est 65 ans. Parce que c'est le body. Hein. L'industrie du body s'épuise beaucoup. Puisque les customers, comme ma fille dit, les customers, quand les customers arrivent là, donc un customer arrive, il demande de faire tu finis là, même tu es fatigué, d'abord un sommeil. Mais l'autre customer aussi arrive, tu es obligé de te chuter un peu. Tu prends le remède comme c'est à Tangana a dit là. Ça fait encore ton corps, genre, je sais pas. Je pense. Et puis il faut les voir. Ils ont les agents, les vrais sacs à main. Qu'elles se mettent debout, elles nous voient comme ça avec nos halos sacs. Elles disent que celle-là vraiment, ça ne vaut pas la peine. Elle est pas stylée. Hein. Elle a rien. On te voit habillé, on te regarde en bas. On te dit donc, celle-là, elle a rien. Elle est. Et sans façon, hein. Sans façon. Les customers. L'embouteillage, c'est chaud. On va être arrêté à bien même. C'est quoi ici, ils font? Ils versent le sel. Avec tout le foie, c'est. Ah, car. C'est quoi qu'il y a l'embouteillage? Il n'y a jamais l'embouteillage ici. C'est comment est-ce? Il n'y a jamais l'embouteillage ici le matin, il dit jamais. Il n'y a jamais l'embouteillage ici le matin, donc la magie. C'est le sel qui verse ou c'est quoi? Quand il y a l'embouteillage ici. Le matin, je n'ai jamais de bouchon. Le bouchon, c'est l'autre côté. Comment ce matin, il y a le bouchon ici? C'est terrible. Il y a quoi devant? Il y a l'accident. Bon Dieu. Je dois appeler le travail pour dire que je vais avoir le retard. Si je suis bien arrêté ici, je vais être en retard. En temps normal, j'ai à traverser tout ça. Donc, c'est un peu ça, le custom. Quand le custom arrive, non, c'est ça, le custom. Il demande beaucoup de choses à nos membres d'air. Et les membres d'air sont obligés de produire. Les membres sont obligés de produire, donc du coup c'est un peu compliqué. Alors c'est la maman de leur juste, celle qu'on ne présente plus. Je salue tout le monde sur Facebook. Oui, la maman. Je salue tata Lolo. John Bob, la puissance. Talolo, je te salue, mes condoléances hein, pour Talolo, Maria qui est décédé. Ouais, Yako. C'était vraiment une journée triste pour toi. Hein. Et là, la veillée de notre Yamseur, c'est samedi. Donc, ça va être encore ouf. Ça va être une semaine triste, hein, Talolo. Hein. Yako.
Et c'est qu'un goy va te trouver là-bas, venir te dire bonjour. Comme vous êtes souvent, comme vous êtes à Paris, là où c'est l'hypocrisie, où c'est la gentillesse, où c'est l'éducation, je ne vous comprends même pas. Une fille s'assoit, elle prend les cordes. Au lieu de faire les beignets, elle fait les beignets, elle ne fait que parler des cordes, elle attache les beignets du deuil avec les cordes, tout ça. Et elle va venir au deuil, elle va te dire bonjour, tu vas répondre. C'est pour ça que vous là-même, je ne sais même pas comment on peut faire même pour être avec vous. Parce que, en temps normal, tu mets l'arôme majeur, le piment sur ma chaude, toi et moi, là, on ne gère rien ensemble. Ça que ça fait, ça dit, être même là pour dire qu'on répond pour vous là, c'est compliqué. Elle va arriver là, elle va dire bonjour, tu vas être là, Mayam sœur, peut-être s'il y a même la boîte, tu vas aller avec elle. Vous dites qu'à Kaé, à quoi, machin, comme vous simplifiez. Maman, nous allons les organes. Hé, hey, nous, on ne met pas nous les organes. Chacun gère ses choses ici. Pardon. Pardon. Mais quand tu la vois avec la corde, ça t'énerve jusqu'à ce que tu dis que mais Lolo lui a fait quoi. Maintenant, tu vas voir Lolo qui va venir au deuil bonjour. Comme le deuil là, c'est le deuil de la jet set, le rendez-vous de Paris. Maman, elle ne pas faire le désordre au deuil. Elle ne pas faire le désordre. Ngoï, si tu veux la paix avec ton ex-père, vas-y mollo. Ne pas t'agiter trop là-bas. Et il y a les caméras. N'oubliez pas, Paris, vous savez que j'ai libéré Paris. Dès que ça fait tchat, mon téléphone est ouvert. Vous, même si c'est 2 secondes, vous filmez, vous m'envoyez. Oui. Je suis mon téléphone, mon WhatsApp, plus 1-514-915-0160. Numéro international. Oui. Vous filmez, vous m'envoyez. Ne faites même pas que ça a fait que oui. Vous filmez, vous m'envoyez directement. Même plus centré, ça n'a peur de personne. C'est le respect qui me lie avec les gens. Le centre, ça propre. Je ne vais pas faire du genre, ouais, si je mets, l'autre va dire que l'autre, il n'y a pas l'autre dans mes affaires. Personne ne m'appelle. Il n'y a pas que l'autorité a appelé. On a dit qu'on n'a pas dit que je vais aller là. Ma passe est une place sur les réseaux. Ouais, Seigneur, à quel embouteillage je veux. Ça m'énerve. Je suis sorti quand même avec le temps. Quelle histoire qu'on a. Un à l'accident ici. C'est comment même? C'est l'heure habituelle que je passe ici. Il y a la route de l'autre côté, pas ici. Oh Seigneur. Et c'est la seule route qu'on a. Ah, vous connaissez ça même. C'est comme il fait froid que tout le monde est sorti ou quoi. Vous partez où? Non, on passe tous les jours sur une autre route si vous n'êtes pas là. Comment tout d'un coup vous êtes beaucoup comme ça? Vous partez où? Ah, vraiment, ça me dérange. Oh, je suis en retard. Hein. Écoute, je peux pas. Je peux pas m'envoler. Hein. Je crois pas que le camion de déneigement est en train de mettre le sel. Pourquoi? Parce que, comment je peux dire? Parce qu'il n'a pas neigé hier. Le sol est pas, je sais pas, il n'y a pas la glace au sol. C'est quoi qui fait alors devant? Il y a un accident ou pas? Mais on dort. Je suis en retard, moi. J'aime pas ça. Voilà. Ok. Donc, comme je disais là, alors. Je disais que. Il y a quelqu'un là qui vient, police. Ah, putain, accident. Voilà, c'est eux. Il y a un accident là-bas. Oh, tu peux pas me dire donc. Oh là là. On n'a jamais, je dis que, combien d'années aujourd'hui? Jamais d'embouteillage ici à Paris. Jamais, c'est l'autre côté. Ceux qui montent la poêle à Montréal. Nous ici, là, chez nous, là. Tu passes 5 minutes. Fini. Me voici. Accident sur le pont. Allez. On fout. Allez. Donc, c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Donc dès que vous êtes au deuil, mes gens sûrs, je ne vais pas dire que c'est vous, vous savez que quoi est gardé le secret. Oh, j'ai mes gens sûrs au deuil. Mais toi, tu n'as pas de problème. Mais quand toi, tu vas filmer, en déposant chez toi, tu m'envoies. Bah, toi, tu as la gringo de tout le truc là. Il n'y a pas de micmac avec toi. Mes gens sûrs, quand je parle comme ça, je ne vais pas citer vos noms. Parce qu'ils vont vous mettre dans la merde. Maintenant que c'est fini, je suis comme bah, alors là, ils sont à partir. Regardez-moi ça. Merde, je vous dis qu'il y avait un accident bizarre ici. Ils sont partis. Oh, j'arrivais déjà dans mes choses, dis donc. J'arrivais dans mes choses depuis longtemps. Il y avait quoi comme ça? Et on a remorqué quelque chose. Puis le camion.
remorquer. Le camion est tombé en panne, il est venu le remorquer. Ah, venez nous embrouiller. Vous faites même quoi? Là, il y a une heure que les camions sortent. Donc vous faites quoi le matin en route? Je suis pas bouché. Genre, les travailleurs comme nous, les gens qui respectent leur horaire et tout. Oh, venez nous mettre barrer la route, dis donc. Jusqu'à on ne sait pas comment faire. Adieu. Hein. Franchement. Ouais, que non, c'est la magie. C'est la magie, la magie, la magie. Et je te dis, je vais avoir quoi, 5 minutes de retard, je pense. Non, j'étais bien parti là. N'importe quoi. J'aime pas être en retard. Qu'il y a dehors et mes vitres ne se dégivrent pas. Vous savez le truc qu'on touche là pour que les vitres, maman, mes vitres c'est congelé depuis que les vitres sont congelées, les glaces qui sont sur ça, c'est la magie. Mes vitres sont seulement que l'eau. J'ai dit que oh wapé blague. C'est même la blague. C'est même la blague. Ne faites même pas. Ok. Ne blaguez même pas. Dès que vous avez une pause, vous filmez, vous m'envoyez. Je centre ça propre. Ça chauffe pas. Moi, je ne suis pas dans les timers. Je ne suis pas dans les mouvements. Une place. J'aime mes choses. C'est un peu ça. Je suis arrivé depuis même 7 minutes. Même. Pas grave. L'homme propose, Dieu dispose. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Le froid une journée moins 27 demain, alors vendredi moins 30, vendredi moins 30, donc le vrai froid canadien alors a commencé. En janvier on avait quand même un bon mois, hein, franchement là la janvier est tout passé jusqu'à, on a vraiment eu un très bon mois de janvier, franchement là rien à dire. En climat là c'était magnifique, hein. Magnifique. Je crois que les grosses vagues de froid, c'est maintenant. Les grosses vagues de froid, c'est maintenant. Faut dire. C'est maintenant, là. On a eu un mois tout simplement magnifique en janvier. Février qui peut un peu détendre. Allez, c'est lui qui vient être froid. Ah, nous, quoi, l'hiver. Après mars, c'est déjà le printemps. Hein. Nous, quoi, les dames. Nous, on n'a pas de problème, hein. Sur ça, là, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Je vous aime beaucoup, non? Passez un excellent premier jour du mois de février. S'il y a de quoi, n'oubliez pas, la Reine Mère Dieu est toujours disponible. La femme, c'est-à-dire qui est concernée pour ses semblables, qui ne recule devant rien pour leur juste et la vérité, voilà, qui ne fonctionne pas avec la manipulation, voilà. Bisous, bisous, hein, je vous aime. Bye.